Bonjour et bienvenue dans cette visio qui est très inhabituelle. Je réponds à une demande de beaucoup de personnes, beaucoup de patients qui me disent: mais enfin Sarah, est-ce que tu pourrais nous raconter ta vie? Est-ce que tu pourrais finalement expliquer aux gens qui tu es? Alors j'ai dit d'accord. C'est un pari qui n'est pas simple de résumer une vie en quelques mots et je vais m'y employer. Lorsque je grandis, en fait, la logique familiale voudrait que je reprenne les affaires de famille. Et le destin va en décider tout à fait autrement. Je suis très jeune, je reviens de Dunkerque et je conduis et j'ai mon bras qui est posé sur la portière, je conduis. Je suis sur l'autoroute. Et à un moment, je vais avoir une sensation extrêmement étrange dans mon ventre, une sensation de terreur intense, parce que je viens de sentir que dans mon corps, il se passe quelque chose qui est très inhabituel. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que je n'ai plus la sensation de mon bras. Je prends la décision de m'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence, je descends et mon bras, bon, je n'ai absolument plus le contrôle de ce bras. Je remonte en voiture, je rejoins la personne avec laquelle je suis à cette époque-là et je vais je vais lui dire: écoute, c'est quand même très étrange, je me suis cassé le bras dans la voiture. Bon, lui est très surpris et pas du tout d'accord avec cette idée, mais bien. Dans la soirée, j'ai le deuxième bras qui va suivre le premier, c'est-à-dire que j'ai plus le contrôle de mes deux bras. Et je me dis: non, bon, on va faire comme si rien ne se passait. Et je vais me coucher. Et le lendemain, je me réveille. Et là, je suis une poupée de chiffon. Ça veut dire que je n'ai pas le contrôle de mon corps. Et c'est une infinie terreur. C'est une peur incroyable qui m'envahit. Les démarches seront multiples. Et je vais faire ça. Mais je serai finalement opérée à la salpêtrière, parce que j'ai une compression de moelle épinière sur plusieurs étages. Cette compression de moelle épinière, donc elle va être opérée, on va me faire une greffe osseuse et l'opération réussit. Mais à l'époque, on fait un examen qui s'appelle la myélographie osseuse, c'est-à-dire qu'on envoie du gaz dans la moelle épinière pour permettre de voir les contrastes. Et ce gaz, qu'on ne fait plus maintenant, en fait, va enflammer ma moelle épinière et toutes les terminaisons nerveuses, c'est-à-dire les gaines de myéline, qui entourent chacun des nerfs du corps, eh bien, prennent feu. C'est une paralysie par douleur, sans fonte musculaire. À force, il va y avoir fonte musculaire, mais il n'y a pas une fonte musculaire réellement. C'est surtout une paralysie par douleur. Et je vais mettre 10 ans, 10 ans à me remettre debout, à avoir une mobilité plus ou moins normale. Je vais rencontrer alors l'homme qui sera le père de mes enfants et il va jouer un rôle important dans la suite de l'histoire. Lorsque je me marie, je ne suis donc toujours pas en très bonne forme, mais il s'avère qu'on voyage beaucoup parce que de par la vie du père de mes enfants, on est amené à se déplacer souvent. Et on va se retrouver à différents moments dans des crises très graves où je perds un bras, j'ai des problèmes de neuro qui sont très importants. Et on se retrouve cette fois-là, on est très loin, on est en Australie et je rentre dans le cabinet d'un ostéopathe australien qui est un très grand monsieur avec une très grande table. Il me pose comme une poupée sur la table et j'ai tellement, tellement mal dans mon bras et mon bras est paralysé. Et il me dit: ben, qu'est-ce qui vous arrive? Tout ça avec cet accent terrible en anglais. Et je commence à lui raconter mon histoire. Et puis à un moment, je vais m'arrêter et je vais dire: mais enfin, c'est pas possible, Sarah. Si tu continues à raconter l'histoire comme tu la racontes, eh bien, tu vas jamais t'en sortir. Parce que, évidemment, ma façon de voir mon histoire est une façon dramatique, puisque je le vis, puisque j'ai terriblement peur, parce que chaque symptôme est augmenté de façon énorme, tellement j'ai peur. Je guette chaque frémissement, chaque trouble neuro.
Je suis sur le sentier de la guerre pour trouver tout ce qui ne va pas dans mon corps. Et vous qui avez peut-être été malade et qui me regardez, vous savez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on reste en alerte sur le moindre trouble parce que la peur est toujours là. La peur est chevillée au corps. Donc ce jour-là, je décide de changer ma légende et je vais dire, eh bien, en fait, j'ai eu de très gros problèmes de dos et j'ai décidé de m'en sortir et je suis devenue très sportive. Ma légende est très cohérente, elle est en plus le reflet de la réalité, mais c'est une autre façon de dire les choses. Et à partir de là, vraiment, je vais commencer à aller de mieux en mieux. Et c'est à partir de ce moment précis où je crois que j'ai décidé encore plus de m'en sortir. Mais dans toute cette période, dans ces 10 ans, et encore là, on est à 5 ans, plus 5 ans encore, donc on est à 15 ans de durée de temps où c'est toujours vraiment pas facile, eh bien, j'ai essayé de comprendre comment on s'en sort, j'ai essayé de comprendre la résilience, j'ai essayé de me donner tous les outils possibles. J'ai vraiment essayé de toutes les façons possibles de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, comment la foi peut agir, comment le mental peut agir, comment la pensée peut agir, et je vais expérimenter tout ça. Et je vais, vous le voyez, je vais marcher, je vais m'en sortir, je vais devenir effectivement cette sportive que j'annonce à cet ostéopathe australien. Et pour comprendre tout ça, je vais faire des formations. Je vais faire des formations qui vont me passionner. La première formation que je vais faire, ça va être la formation avec Alain Kayrol, qui est le personnage qui a introduit la programmation neurolinguistique en Europe et en France. Et je deviens avec lui maître praticien en programmation neurolinguistique plus, parce que je vais faire à peu près toutes les spécialités qui existent. En parallèle, je fais la formation de psychothérapeute et encore d'autres formations, la formation d'hypnose. Je vais en fait devenir une sorte d'expert pour l'autre, mais surtout expert pour moi, pour comprendre comment on sort de la douleur, on sort de la peur, on sort de tout ce qui est traumatique, et ça va être absolument une passion pour moi. Je vais être formée en EMDR au tout début de l'EMDR où on entend parler de Shapiro mais sans la prendre au sérieux. Et Alain va nous former en EMDR à cette origine-là. Je ferai une autre formation plus tard. L'EMDR, vous savez, c'est ce traitement, donc c'est ce fameux traitement par le balayage visuel, qui est un traitement de trauma, parce que quand on a un trauma, on va disjoncter au niveau de notre cerveau, on disjoncte et à moins de remettre le compteur électrique en place, eh bien, il va rien se passer. Donc c'est une façon de remettre le compteur de ce qui a disjoncté dans votre tête à la suite du trauma. Et puis, je vais faire d'autres formations. Je vais être passionnée de Franck Farelli, qui est la thérapie provocative. Je vais m'intéresser au dialogue intérieur de Holindra Stone. Je vais faire toutes ces formations. Je vais les faire et je vais les faire de bout en bout parce que tout m'intéresse, parce que j'expérimente tout d'abord très longuement sur moi avant de l'expérimenter, de le proposer dans ma patientèle. Et puis arrive 2006. Et 2006, je vous parlais du père de mes enfants tout à l'heure. 2006, ça va être un moment important parce que notre couple explose et c'est le divorce. Et c'est le divorce et j'explose en même temps que mon couple. Ça veut dire que je vis un moment absolument dramatique. J'ai l'impression de perdre mon identité. J'ai l'impression que la paralysie, c'était rien à côté. Et la peur de la maladie, rien. Je n'existe plus. Et il va falloir que je me reconstruise. Mais pour l'instant, et à ce moment-là, je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. Dès que je vois un papillon, je pleure. Sauf que j'ai mes deux enfants et qu'il faut absolument que je m'en sorte. Alors je réfléchis, j'expérimente tout ce que j'ai en stock, mais j'arrive pas à avoir des résultats. Et je repense à quelque chose qui est l'Emotional Freedom Technique. L'Emotional Freedom Technique, c'est donc une technique qui va être découverte par Callahan à l'origine. Et Callahan, vous savez, c'est ce psychothérapeute qui vit à Hollywood et qui n'est pas un bon psychothérapeute. Alors il en a tellement assez qu'il va partir faire une formation d'acupuncture. Et quand qui le passionne, et quand il revient, il a Marie. Et Marie l'attend dans sa somptueuse villa où il y a une très belle piscine. Et Callahan arrive et il voit Marie, elle est verte parce qu'elle regarde l'eau, elle est phobique de l'eau. Et Callahan lui dit,
comme il revient de l'acupuncture, il dit: Marie, est-ce que vous avez mal quelque part dans votre corps? Alors, Marie a dit plutôt par là. Et Callahan a l'idée de tapoter sur la zone que Marie a indiquée tout en répétant des phrases. C'est le début de l'Emotional Freedom Technique. Callahan va rencontrer Gary Craig qui est passionné par cette technique, qui va lui racheter cette technique et qui va la simplifier. Donc, je vais sur le site de Gary Craig, je m'intéresse à ses vidéos, je ferai d'ailleurs une formation avec Caroline Dubois, que je salue au passage et que j'apprécie beaucoup, elle fait un travail extraordinaire. Et donc, je fais cette formation de EFT à tous les niveaux, bien sûr, comme d'habitude, mais aussi, je guéris de ce terrible chagrin que j'ai. Cet été-là, puisqu'on est au début de l'année 2006, cet été-là, je pars en vacances avec des amis, dont une de mes amies qui est alcoolique. Alors, c'est pas dit aussi crûment que ça, mais elle boit beaucoup, 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 et tout le temps. Et elle vient me voir, et on est en vacances ensemble, elle me dit: Sarah, est-ce que tu serais d'accord pour que on travaille ensemble le problème d'alcool que j'ai? Je dis: écoute, non, là, je suis en vacances. Donc, j'ai pas envie, mais je vais, si tu veux, t'enregistrer des audios que je te propose d'utiliser. Et dans les 15 jours de nos vacances, elle va avoir des résultats incroyables et qui vous tiennent toujours dans le temps, bien, bien, bien longtemps après. À partir de cet épisode, donc on est en 2006, je vais utiliser l'Emotional Freedom Technique dans mes consultations, encore bien davantage après ma formation avec Caroline. Et je vais il y a 2 ou 3 ans, je me rappelle plus, écrire un livre qui s'appelle L'EFT, un seul point pour tout soigner, où vous allez retrouver plein d'anecdotes, plein d'histoires de passion, plein d'histoires de ma vie aussi, d'autres histoires. Et je l'ai donc publié chez Très Daniel, vous pouvez le trouver dans toutes les librairies, mais également sur Amazon. Voilà un petit peu, j'avais envie de faire un petit topo de qui je suis, pourquoi je suis aussi passionnée de vous accompagner. Et j'espère que ça vous aura donné plein de clés, plein d'idées. Et à très vite. Bonne soirée.